Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Sixième jour, Dieu créa l'homme à son image à l'origine. Mais depuis qu'elle broqua le fruit, on vit venir des androgynes, des grippes et des angines, des guerres et des famines, des viols sur des gamines, des bouches, des Vladimir Poutine. On a vu les hommes noirs se faire grosser comme du bétail dans des bateaux s'entasser. Ça fait de détails traqués, c'est faire chasser, frapper puis casser pour aller bosser. On a vu des juifs morts dans la chaussée, des nazis balancer des corps dans les fossés. Ça faut dire ramasser de l'or chez les français, le mal est progressé, le tout puissant blessé. Aujourd'hui des grosses bosses, on les prennent dans une panne de résine, notre espoir se consume. Aujourd'hui nous sommes tous des légumes pour l'emprise des doctrines qui passent à la hume. Désormais nous sommes tous dans la brume et la parole divine nous donne de l'amertume. Avec le noble pousse dans la queue carré, nous barrage qui marche sur la lune. La vérité c'est qu'ils veulent égarer nos âmes. Nous sommes soumis aux lois, ils légalisent le port des armes. Religion catholique, bouddhiste ou musulmane, êtes-vous sur le chemin qui vous sauvera des flammes? Que Dieu nous préserve du sort des hommes, prisonniers des griffes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent. Vivons que le Tout-Puissant pardonne. Que Dieu nous préserve du sort des hommes, prisonniers des griffes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent. Prions que le Tout-Puissant pardonne. Le monde est barge à l'heure où je parle. Des bombes explosent, des prises d'otages, des viols, des meurtres, des attentats, des overdoses. Tu sais de quoi je te cause, tu vois les conséquences mais pas la cause. Tu es appelé à servir Dieu mon frère si la question se pose. Satan dirige le monde et nous sommes tous des cibles. Je n'invente rien, la Bible, c'est écrit dans ma Bible. Et Dieu donne le pouvoir de marcher sur le serpent, en rinçant les péchés de celui qui se repent. Gloire à mon Seigneur Jésus-Christ, car son sang a racheté les miens. C'est quand on se croit sur la bonne piste que le Saint-Esprit intervient. L'accès au paradis devant ton cœur se tient. Tu n'as plus qu'à y ouvrir la porte en joignant tes deux mains. Tiens très sur ton passé, choses anciennes et effacées. Renonce à ta vie, tu la sauveras, c'est dans les versets. Les lisières percées, on voit la fin s'avancer. Deviens enfant de Dieu, le Père te sortira du fossé. Que Dieu nous préserve du sort des hommes, prisonniers des griffes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent. Prions que le Tout-Puissant pardonne. Que Dieu nous préserve du sort des hommes, prisonniers des griffes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent. Prions que le Tout-Puissant pardonne. Le Père est triste, la race humaine est manipulée. On vit dans les ténèbres et la lumière nous fait reculer. Hey, l'État est sous l'emprise du mal, tout est calculé. Ils veulent des hommes sans âme comme du bétail immatriculé. Hey, et nos parles de virus, on porte des masques dans le bus. Délicez les campus, renseignez-vous sur la pub. Tapez nouvel ordre mondial sur Dailymotion. Illuminati, franc-maçonnerie sont sur nos jeunes. Les sida, les cancers, les grippes, trop de gens meurent sous nos yeux. Me dis pas ton grand-père c'est chita, car je suis enfant de Dieu. On ne descend pas du singe, je crois qu'ils disent dans les livres. Même si mon corps est en prison, je sais que mon esprit est libre. Il n'y a que Dieu qui sauve, il n'y a que Dieu qui soigne. Il n'y a qu'au nom de Jésus qu'on implore pour que le mal s'éloigne. C'est lui l'amour parfait, les cœurs il les requinque. Et c'est le seul Dieu véritable comme il est dit dans 1 Jean 5. Que Dieu nous préserve du sort des hommes, prisonniers des griffes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent. Prions que le Tout-Puissant pardonne. Que Dieu nous préserve du sort des hommes, prisonniers des griffes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent. Prions que le Tout-Puissant pardonne. Pour après l'argent, mais ça n'ouvre pas les portes du paradis. Regarde bien toutes les stars finissent droguées ou meurent d'une maladie.
Ouais, t'as du mal à le dire, t'es riche mais t'as du mal à vivre. Car tu n'as pas celui qui est sur l'or comme le dit Malachi. Ça te choque, dis-moi, quand tu vois qu'un tel se suicide. Pourtant tu fumes, tu bois, c'est la même chose, soyons lucides. Le mal s'installe dans nos vies mais il a un but. Et tu prends plaisir à aimer les choses qui te disent qu'elles te tuent. Ta vie n'est-elle pas si importante à tes yeux, hein? Donne-lui, tu la sauveras, c'est ce que m'apprend mon Dieu. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus qui l'a dit, y'a pas d'Allah ou d'Amarie. Écoute, les religions sont toutes des prisons pour esprit. Tu cherches Dieu mais tout reste gris. Viens à Jésus pour le esprit. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui parle, qui parle, qui parle, mais qui agit et qui a dit qu'il reviendra chercher celui qui croit en lui. Que Dieu nous préserve du sang des hommes, prisonniers des crimes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent, il faut que le Tout-Puissant pardonne. Que Dieu nous préserve du sang des hommes, prisonniers des crimes de Babylone. Nos péchés s'enchaînent et s'additionnent, il faut que le Tout-Puissant pardonne. Oh non, conscience que leur est grave, le lesbianisme se banalise. Les hommes se déguisent en trave et nos églises se paganisent. Sachez que le Seigneur vous aime mais il n'aime pas ce que vous pratiquez. Repentez-vous, vous tous qui commettez l'iniquité. Ne suis pas ceux qui citent qu'on ira tous au ciel. Ceux qui soulagent ta conscience et t'incitent à te soumettre au siècle. Sorte des versets sans suite, passe à des stades de l'essentiel. Le lac de feu sera leur suite car ils n'ont pas saisi l'appel. Ils disent ceci, cela, Dieu est amour, ça ils le savent. Ils ne se soucient que des sous et Satan les a ficelés. Ils sont déçus de ça, si tu leur dis que Dieu est saint. Ils te suspectent et t'insultent de sexe, Seigneur pardonne-les. Mon cher ami, Jésus revient, faut que tu l'acceptes. Et comme il est des chances parfaites, faut que je m'arrête au chiffre 7. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. À la repentance. Oui, le Seigneur revient, il est en route pour chercher ses enfants. Ceux qui ont cru en lui et qui se sont mis à part tout ce temps. Ceux qui ont tout lâché pour lui, quitter leur vie d'avant. Et non pas ceux qui pêchent et puis qui prient une fois de temps en temps. Dis oui si tu l'entends, mon ami, c'est la fin des temps. On boit, on rit, on mange, c'est du bon temps, on se détend. Se soumettre à un Dieu, c'est pour ceux qu'habitant des temps. Manger un toit et des enfants, en plus prier c'est embêtant. Profite de chaque instant, c'est ce que Satan t'apprend. Mais quand viendra le temps du jugement, il y aura des grincements de dents. Quand t'en agis tant qu'il est temps, te soumettant au Dieu vivant. En acceptant ses commandements, sinon les temps ardents t'attendent. Pourquoi ne croyez-vous pas en cette belle et bonne nouvelle? Jésus vous aime, il est la paix, la joie et la vie éternelle. Il veut répondre à tes questions, guérir tes blessures, tes séquelles. Il s'appelle Elohim, Shiloh, Yahvé, Jésus, Emmanuel. Il est le chemin et la vie, ton fidèle ami. Il connaît tes souffrances, tes pleurs, tes joies, tes peurs, tes envies. Oui, remets-lui ta vie, ton cœur sera ravi. Il est mort à la croix pour nous, oui, il a tout accompli. Dieu est venu de chair, oui, il s'est revêtu du ciel, oui, il est descendu, la mort à la croix est vaincue. Son nom Jésus, celui qui assure ton salut, il vient et il a dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne défends pas ma propre cause. Je ne vous parle pas de tradition, de culture ou bien d'autres choses. Mais je vous parle de Jésus-Christ mort et puis ressuscité. Ce n'est pas des légendes, des contes ni des histoires en vérité.
Ouvre un peu les yeux et puis commence à méditer. L'homme court après les vanités, le cœur plein d'incrédulité. L'ange précipité a volé notre identité. La connaissance est limitée, donc nous sommes en captivité. Pendant que TF1 glorifie l'impudicité, y'a des messages subliminaux cachés dans nos publicités. Tout est écrit, tout est cité, mais l'homme n'a plus d'humilité. Se livre aux animosités, car soi-disant faut profiter. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche comme ton cœur te mène selon le plaisir de tes yeux. Mais sache qu'un jour pour toutes ces choses tu seras jugé devant Dieu. Seigneur Jésus, Père éternel, Adonai, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui écouteront ce morceau, Papa. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. C'est pour cela, Papa, que je prie, Seigneur, pour que les écailles tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que les cœurs soient touchés, Seigneur, que les yeux s'ouvrent et que les œuvres de l'ennemi soient dévoilées. Révèle-toi à eux, Seigneur, qu'ils sachent, Papa, que tu es vivant, que tu es venu, que tu as vaincu la mort à la croix et que ton sang précieux nous a racheté. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, montre à toutes ces personnes qui souffrent, Seigneur, que la solution n'est pas dans ce monde, que toi seul donnes la paix, la vie et la joie, que le salaire du péché, Papa, c'est la mort, mais que le don gratuit que tu nous fais, c'est la vie éternelle. Seigneur, je prie pour que toutes les forteresses que Satan a établies dans les cœurs soient détruites maintenant et renversées au nom puissant de Jésus, Papa. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu touches, au nom de Jésus. Jésus-Christ est venu sur cette terre, tu ne peux pas le nier. Dis-moi quel est ce nom sur lequel s'appuie ton calendrier. Maître du temps il est, mais l'ennemi l'a mystifié. Satan écrase nos vies comme des cigarettes dans un cendrier. Vois-toi la face devant ta glace comme un scaphandrier. Ton Facebook, ta télé t'empêche de voir la vérité briller. La foi ton bouclier, le Seigneur t'entendra crier. Tu ne seras plus confus si la Bible est ton étrier. Prisonnier d'un monde gouverné par les sens occultes, où les démons et les sorciers fascinent les jeunes et les adultes, où les gens tuent au nom de Dieu croyant lui rendre un culte, où les enfants parlent aux parents par des menaces ou des insultes. Nous sommes bien à la fin des temps, voilà pourquoi j'insiste. Il reviendra comme un voleur prendre ceux qui pour lui persistent. Cherche la vérité et tu verras que Dieu existe. Il veut te sauver, son nom glorieux c'est Jésus Christ. A été méprisé et rejeté par les hommes. Lui, le familier des peines et de la souffrance, il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir et il est resté muet comme la brebis devant celui qui la tombe. J'en suis sûr. Il a porté nos peines, il s'est chargé de nos douleurs. Et pourtant est-il plus estimé, frappé par la volonté de Dieu et affligé. Mais Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris.